Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau JT de Stan News. Ce soir, les titres sont les suivants. 132e jour de pluie consécutif à Besançon. Mais où est donc passé le réchauffement climatique? On se le demande. Et pour ça, nous avons mis nos meilleurs experts sur le coup. Et devinez quoi? Ça devient presque aussi long qu'un cours de TS. Maintenant, point sur la bourse. C'est la débâcle à Wall Street, moins 17% ce matin. Mais comme diraient nos amis du Muscular Show, mieux vaut avoir des bourses en action que des actions en bourse. On me dit dans l'oreillette que Donald Trump donnerait un nouveau discours sur ses nouveaux projets qui vont tout de suite être mis en œuvre. Nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial, Jean Bric, à Washington DC. Oui, je me trouve bien devant la salle de meeting où Trump s'apprête à donner un discours. Je vous laisse visionner les images en direct. Chers Ensemiens, chères Ensemiennes, l'heure est grave. Listen to me. Vous connaissez tous les Mexicanos, ces escrocs qui ont profité du système pendant un an en s'en mettant plein les poches et en ne faisant rien de plus que leurs prédécesseurs. Les Mexicanos sont dégoûtants. Ils sont violents. Ils nous volent nos femmes. On arrête ces fucking conneries. Et pour les stopper, on va construire un fucking mur. J'ai cherché parmi les meilleures recrues du BDS, des ouvriers forts, sportifs et musclés. Ainsi, les Mexicanos ne seront plus une menace pour notre chère école, l'ENSEM, grâce à notre mur. And made the BDE great again. Tiens, ça doit être elle. J'espère qu'elle est aussi belle que sur la photo. Bon, 17% de filles, faut bien s'adapter. J'espère qu'il est joueur. Quel beau gosse. Salade, tomate, oignon, je prends tout, chef. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT de Stan News. Au lendemain des annonces de Monsieur Trump, nous allons tout de suite nous rendre dans les manifestations qui ont lieu à la frontière mexicaine. Nous allons retrouver notre envoyé spécial, Jean Plâtre. Oui, bonjour. Nous nous retrouvons à la frontière du Mexique, là où la situation est encore plus tendue que jamais, avec des scènes d'horreur et d'atrocité. Je vous laisse découvrir les images. J'ai la banane.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Stade Reportage. Ce soir, en exclusivité, nous allons pouvoir vous montrer les premières images de la construction du mur. Cela fait 2 mois que nous suivons nuit et jour les équipes qui travaillent dessus. C'est un reportage signé Claire de Chazal pour J'encule Productions. Arrêtez tout. J'ai bossé toute la nuit. Je crois que j'ai trouvé la solution. Non. Si. Attendez, vous avez rien. Je vous explique. On cherche quoi? Un matériau. Ok. Je suis partie de l'intégrale de 3x. C'est normal, on a 3 briques au début. Je te montre. Gamma carré plus phi carré, ça fait x. Sauf qu'ici, non, parce que j'ai analysé la fréquence, et ça fait quoi? Ça fait un loop. Donc, l'équivalence étant à θi. J'ai divisé par la tangente de x, et j'obtiens quoi? Une géométrie hexagonale fixe. D'accord, ça on le sait, on le savait, mais on a oublié quelque chose. Le boson de x. Le boson de x, il se trouve dans le cercle trigo, mais à la frontière mexicaine. C'est ça qu'on n'a pas pris en compte. Le cercle trigo ne fait pas 1. Il fait 1,2, c'est pour ça. Donc, en fait, c'est très simple. J'ai pris la tangente de la vitesse, évidemment, intégrale. Bon, ça, vous le savez. Et je rappelle le théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce que finalement, tout marche avec Pythagore. Et c'est ce que j'ai fait. Vous intégrez dans le théorème de Pythagore, la tangente, Q intérieur, mais il est égal à 0 ici. C'est génial. Et donc, j'atterris à... Non, ce n'est pas égal à 1, parce que les Mexicains ont rajouté alpha. Donc, je conclue que... Cela fait un total de... parce que j'ai oublié de prendre l'hyperloop en conséquence. Un total de 1,342,057. Lego. Pour faire un mur? Mais oui. Bordel. J'ai rien compris. Ah, moi non plus. J'ai dit qu'il y avait des ouf. Mais qu'est-ce que t'as fait toi encore? Hein? Ah, moi je dessine juste des bites. Hein. Et les gars, on est foutus. Les gars, j'ai trouvé mieux que les Lego. L'abri. Sous la lune, je m'allume. Une terrasse, il n'en reste qu'une. Sous la lune, je m'allume. Une terrasse, il ne reste que du béton armé. Sous la lune, je m'allume. Une terrasse, il ne reste que du béton armé. Déprimer l'aménagement du territoire.